Samedi 15 mai 2021. Frères et sœurs, yon l'autre fois nous dit l'Éternel merci pour protection Libanon et lui permettre moi m'avoir nous capable rencontrer yon l'autre fois dans émission Tasse Café et dans émission d'étude biblique là de préférence. Et où qu'on est depuis nous vini, faut que nous prier l'Éternel avant nous faire toute bagaille. On nous prier bon Dieu. Papa m'non, nous remercions pour grâce ou pour amour envers nous. Pour secours que pas jamais bouquet manifesté envers nous. Pour direction cher Seigneur ou bay à la vie non cher père. Nous rendons compte l'Éternel papa nous grand pile faiblesse dans nous. Mais l'Éternel dans faiblesse nous yo ou mettez de la force nécessaire. Dans faiblesse nous yo cher Seigneur ou aider nous sur chemin. Dans moment ça l'Éternel papa nous la gué toutes amis, toutes frères et sœurs, tout côté capable situer, nous la gué dans main. Et nous mandons l'Éternel papa pour la gloire de ton nom cher père, pour la gloire de ton nom notre Dieu, notre bon sauveur. Et nous mandons présence. Présence dans travail là qu'on y a là cher Seigneur capé de Marie. Présence parce que nous rendons compte l'Éternel, non pas rien sans ou. Présence parce que l'Éternel, papa, l'évangile là doit arriver plus loin que possible. Nous la gueule frère Boubé avec toute famille là, mon Dieu Tout-Puissant, maman ni, et papa li, petite li yo, madame ni, toute activité au projet yo, nous la gueule dans mon Dieu Tout-Puissant. Dans moment ça, l'Éternel, papa, nous la gueule dans mon cher père. Cher Seigneur, maintenant, la guine à l'occasion ça, dans mon la famille Antoine, c'est Nipson Antoine, cher Seigneur, qui besoin de présence au frère, c'est Jimmy, toutes les branches Saint-Fort, c'est Mirland, pasteur Michel Saint-Fort avec toute famille, frère Josué, dans la guine dans mon message, cher Seigneur, n'a pas demandé chaque jour l'Éternel pour qu'un béo. Accompagnez l'Éternel parce que cher Seigneur, nous rendons compte l'Éternel, papa, c'est vous-même qui capable d'accompagner toute petite nous la gué la famille, Gélé, la famille, Jean-Louis, et la famille Ulysse, pasteur Gérald, Ulysse, tout frère, nous sommes l'Éternel, papa, nous la gué tout dans le monde, tout côté capable de situer, cher Seigneur. Nous la gué la famille Ricardo, frère et sœur Ricardo, frère et sœur Ronald, frère et sœur pasteur Dadiane Ulysse. Pasteur Kelly bien avec toute famille l'Éternel et frère Oudi Anilus et pasteur Jean Oudi et frère Judex et pasteur Mac Fritz frère Mac Fritz non la gueule tout dans mon cher Seigneur frère et sœur et Evanson Jacques frère et sœur Awol Oris tout dans mon cher Seigneur avec petit Dieu dans tout coin aussi Dieu papa amen. C'est encore avec contentement démarrions l'autre fois avec étude biblique là, frères et sœurs. Toujours dans le livre Amos là, et dans le chapitre 1er, nous avons eu la chance pour nous discuter verset 13 là, et nous avons été 14-15, nous avons coulé tout ensemble là. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes des enfants d'Amon, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabba, et il en dévorera les palais, au milieu des cris de guerre au jour du combat, au milieu de l'ouragan au jour de la tempête, et le roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Frères et sœurs, dernière partie jugement, jugement qui a un rapport avec les enfants d'Amon, les fils d'Amon, les Ammonites. L'Éternel répétait même parole l'Itédia, l'a frappé pour trois crimes et même quatre crimes qu'il a commis. Et l'Éternel dit, les papes tournent sous décision. Notez, ouais, frères et sœurs. Hier, je t'ai expliqué, non, ça veut dire qu'ils ont fendu le ventre. Et parole l'a dit la frères et sœurs, j'allumerai, verset 14, l'Éternel dit que la plume du feu dans la muraille Rabba, dans la ville principale là, et la
dévorer tout palais. Dame de ville principale a dit là côté royaume na ya, elle a boulé tout palais, toute grande construction que ont fait. L'Éternel dit l'a dévoré. Et au milieu des cris de guerre, de combat, l'Éternel dit l'a dévoré. L'Éternel dit l'a voyé ouragan. Au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête, l'Éternel a frappé au bas des ouragans. On connaît, on leur parle de ouragan plus terrible en pile que un cyclone. Mais l'Éternel dit avec un ouragan l'a frappé, détruit, parce que il en a fait à l'Éternel. Il en a fait à l'Éternel. Frères et sœurs, n'a pas répété ça. Pi gros bagaille pour moun pas arriver, c'est en affaire à l'Éternel. Moi pas dit qu'on pas ca pécher contre l'Éternel, non, parce que l'Éternel connaît non né de faiblesse, et bien leur péché, ou reconnaître culpabilité ou oui, mais les locapé. C'est comme si n'a fait mauvais bagaille, n'a passé bon Dieu dans bêtise. N'a pas agi mal et comme si n'a passé bon Dieu dans bêtise, comme si pour nous ouais qui réaction bon Dieu face avec comportement nou yo. Frères et sœurs, l'Éternel pas jouer avec nous. L'Éternel pas jouer avec nous dans mauvaise action ça yo que n'a pas commettre comme ça. L'Éternel pas jouer avec nous. Alors l'Éternel dit comme ça dans les murs de Rabba, ville principale là, la détruit palais avec du feu. Au milieu des cris de guerre, au jour du combat, le Seigneur dit la mettez du feu pour détruire. La voyez ou à gants. N'en joue tempête yo. Frères et sœurs, est-ce que c'est parce que l'Éternel est méchant? Non. Ce n'est pas parce que l'Éternel est méchant, c'est parce qu'on travaille pour cela. Ça y a vivre là, ça n'a pas vivre là, nous travaillons pour lui. L'Éternel est juste. L'Éternel est juste. L'Éternel pas qu'un Dieu juste, l'avenir pour nous faire fâcher. Et nous connaissons lui-même qui est dominateur. Hein? L'apmane, non, parce que pas de monde qui a campé en quoi, de la prendre décision contre nos frères et sœurs. Alors, Paul là dit ça, le roi s'en ira en captivité. Roi cap dirige yo. Roi chef yo gen nan tête yo pour aller en esclavage. Et lui même avec tout gros chef qui gen nan gouvernement avec là, tout pour aller en esclavage. Et yo dit ça, c'est les déclarations l'Éternel même. C'est l'Éternel qui fait déclaration ça. C'est l'Éternel qui signe ça pour le voyer en esclavage, pour apprendre à respecter, apprendre à reconnaître lui comme Dieu, apprendre à reconnaître lui comme maître, frères et sœurs. Alors, chers amis, nous avons traversé dans le chapitre 2 et le chapitre 2 va venir avec même parole, mais fois ça, c'est pour l'autre zone, c'est pour l'autre peuple qui va venir avec vous. Ainsi parle l'Éternel, Amos chapitre 2. À cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'il a brûlé, calciner les eaux du roi des Dômes. Frères et sœurs, mais pour qui ça l'Éternel montre là, il pral main Moab. Parce que Moab, et boule moun, entendez, parce qu'il a brûlé, a calciné, boucané les eaux du roi des Dômes. L'Éternel dit, si Moab ka fon bagay comme ça, en ben bon, la main yo. L'Éternel dit, l'a voué du feu dans Moab. L'a dévoré palais et qui au gain dans zone Kérijot et Moab périra au milieu des tumultes cri côté qu'a gain douleur qu'a gain cri et la parole de Dieu dit l'a paix détruit Moab au milieu des cris de guerre, de bruit de la tempête. L'Éternel a intervenu, frères et sœurs. Alors chers amis, à nos veilles, Paul l'a dit au verset 3, j'exterminerai de son sein le juge et je tuerai tous les chefs avec lui.
le verbe exterminer signifie détruire totalement. Oui, frères et sœurs, l'Éternel dit l'a exterminé hein, de son sein le juge. Moun ki la bout a bay la justice a disparaître parce que vraiment yo pa ta pratiquer la justice. L'Éternel dit l'a disparaître, yo, l'a tué tout chef yo même gens avec roi, l'a exterminé yo. Pour la simple bonne raison, yo abandonné l'Éternel, y a fait mauvais bagaille, yo pas tenu compte de origine yo, frères et sœurs. L'Éternel pas joué. L'Éternel pas joué. L'Éternel pas joué. L'Éternel pas joué dans jugement. Il pas joué dans jugement, il a exercé jugement, il pas joué. Verset 4. Ainsi parle l'Éternel à cause de trois crimes de Judas. Frères et sœurs, qu'on y a là, c'est Judas l'Éternel prend là. Judas, à cause de trois crimes de Judas et même de quatre, je n'évoque pas mon arrêt parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé mes ordonnances. Mais pour qui ça l'Éternel a mangé Judas? C'est parce que Judas méprisait l'ordre, loi, principe l'Éternel. Il n'a pas gardé ordonnance l'Éternel. Et il a égaré dans les idoles. Égaré dans les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché. Donc, même mauvais tracé, et ils ont entré dans même mauvais tracé. Alors, frères et sœurs, nous avons un problème Judas, qui fait l'Éternel qui a un problème avec là, c'est que Judas hein, abandonné l'Éternel, Judas méprisé les lois de l'Éternel, Judas pas gardé les principes de l'Éternel, et Judas l'a école dans l'idole. Autant de gens Paul l'a dit là, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères. Avec des lèvres dit idoles mensongères. Avec des idoles, ça y a dit des idoles, yo. Ça y a tabayo comme Dieu, yo. Eh bien, c'est mensonge, et ça y a dit, ah, c'est pas vrai. Ils présentent tête, yo, comme étant créateur. Ils présentent tête, yo, comme étant force cap font série de bagailles à travers le monde et égarés, yo, vrai, yo, livré, yo. Ce qui est drôle, c'est pour Israël, ça pis drôle. C'est pour yo le plus drôle parce que yo même yo connaît vrai Dieu déjà. Pour abandonner vrai Dieu, pour tourner dans la démagogie. Lorsque l'Éternel a serré boulon comme ça, c'est pas sans raison l'Éternel a serré boulon. Elle a serré boulon à partir de ça, il connaît au fait, qui n'a pas d'adoué, il n'a pas d'adoué fait. Frère, c'est ça, c'est très important. Alors, l'Éternel dit, là, l'a dévoré, hein. J'enverrai le feu dans Judas, l'a voué du feu, l'a boulé par l'air, l'a fait ennemi, vine prendre, yo. Pour apprendre à respecter l'Éternel. Alors, nous connaissons, pendant que je parle de ça, là, Judas était divisé, et les Juifs étaient divisés en deux, il y avait le royaume de Judas et le royaume d'Israël. Donc, et là, quand je parle de ça, c'était deux pays. L'homme d'Israël, là, c'est Youn, l'homme de Judas, c'est l'autre, parce qu'ils étaient divisés, et normalement, yo, chaque était un dirigeant par eux. Même si c'est à partir des désobéissances qui vont arriver dans la division. Alors, ça me dit là, c'est pour Judas. L'Éternel pourra parler d'Israël également. Ainsi parle l'Éternel à cause des trois crimes d'Israël, même de quatre. Je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent. Donc, comprenez ça, vous avez dit ça? Hein? Chaque monde, ça, l'Éternel dit un bagaille différent des nations. Ça, là, même c'est juste là où le monde qui a fait bon bagaille, là, c'est eux-mêmes. Hein? C'est eux-mêmes, ils n'ont pas voulu. Et le pauvre pour une paire de souliers. Le monde qui est pauvre là, qu'on y a là, ils ont acheté pour de l'argent. Pour un sandal, pour un soulier, pour un boyau, il a acheté lui. Mais l'Éternel a demandé règlement dans ce sens-là, frères et sœurs. L'Éternel pas capable diriger le monde, l'a fini pour la quitter. Type de bagaille ça a passé comme ça. Et la parole de Dieu dit, l'Éternel a passé à l'action. Et c'est ça même, l'Éternel a frappé yo, nation par nation. Et l'a dit pour qui ça le frappe yo. Peuple par peuple, et l'a dit pour qui ça le frappe. Et c'est ça que chaque jour, nous disons ça, l'humanité qu'on y a là, qui n'a frappé là, l'humanité qui n'a salié là, qu'on y a là, c'est à partir de mauvaises actions. Et l'Éternel ne peut pas accepter mauvaises actions en amont. C'est à partir de mauvaises actions là, que l'Éternel a pu frapper là. Frapper l'humanité, comment comprendre que l'Éternel t'a été bien à l'aise de quitter des décisions à prendre pour des millions de monde à mourir, hein?
et pour l'Éternel pas ta fait intervention li ta croisé bras li non c'est pour demander moun sa yo est-ce que moun sa yo est l'Éternel est-ce que moun sa yo garde l'Éternel comme chef est-ce que moun sa yo respecte l'Éternel est-ce que l'Éternel t'a doué garder yo dans mauvaise action non l'Éternel pas ka fait ça frères et sœurs. Alors nous voulons insister en ce sens. Là, l'Éternel dit, et parce qu'ils ont fendu les justes pour de l'argent. Achetez justice. Achetez justice. Au monde qui parle, il y a tout. Ou pas d'accord, il y a tout. Vous comprenez? Ou pas d'accord, il y a tout. C'est ça. Hein? Achetez de la justice pour de l'argent. Ou pas d'accord, il y a tout. Et le peuple pour une paire, le pauvre pour une paire de souliers. Hein? Pauvre là yo acheté li fait là fait mensonge pour yo parce que kounya la frère c'est ba la tellement grave même on série de l'église a pas acheté moun pour al faire mensonge pour yo pour dire mais qui ça l'Éternel te fait pour yo mensonge mais qui ça te ba yo hein tel pasteur a te ba yo ceci te ba yo c'est menti non menti c'est pour yo capable pour les venir ba un petit monnaie pour capable ba menti frères et sœurs jugement l'Éternel l'a vini l'aime de l'a vini l'a main vagabond oui l'a main pile vagabond hein l'autre a comprendre que yon témoignage son bagage juste qui t'a pour mener moun à la repentance les venir pour tande qu'on y a là moun a payé pour moun din faire menti boulé ça drôle frères et sœurs ça drôle moun n'a pas même mettre dans tête que l'Éternel a prend note l'Éternel a prend note non alors là et d'un côté on était c'est Israël qui était mépriser les ordonnances les lois de l'Éternel yo livré corps dans les idoles muettes dans les idoles mensongères non mauvais route papa ancien yo était qu'on a prend que l'Éternel était qu'on a châtié c'est là yo vinn fouer tête yo tout alors frères et sœurs parole la montrer nous là côté nous est là Paul la montrer nous là que Israël lui-même l'Éternel prend décision contre lui parce que Israël les Israélites ont vendu le juste pour de l'argent en quelque sorte ils ont acheté la justice et au bokob là pour vendre la justice là ben avait dit que ou en tort l'autre là en tort il paye l'argent et si juge là pas d'accord il a touillé tout juge qui pas d'accord yo touyo yo révoque na job là Ousmane yo fort selon type de combat y a exilé ou retiré ou là parce que yo besoin faire corruption yo besoin faire bagaille senti dio lève ou là comme opposant pour yo pas faire bagaille corruption yo en mais bon ou pas d'accord en ben y a touyo y a exilé ou y a retiré là y a persécuté avec toute famille ou c'est bayo pays pour yo faire ça y a faire bayo le monde pour yo faire ça faire frères et sœurs moi je le dis à qui veut l'entendre depuis mon politicien a parlé devant moi d'ailleurs pas besoin d'entendre tout parce que me dit tant connaissez mensonge la bayo on voit ça après les diplomates yo et ceci à travers le monde dans moment n'a vivre là dans moment n'a vivre là tout monsieur ou tande tout femme ou tande k'ap dirige à travers le monde là ou dit 50 paroles avec difficulté pour yon 10 nan paroles sa yo tout ces mensonges tout ces bagailles magouilleuses tout ces mauvaises planifications à faire frères et sœurs et l'Éternel pas prendre des graines gigadé l'Éternel a frappé l'Éternel a passé à l'action. Ouh, gen des moun, ou konn sa fè mal la, gen des moun ki e moun sérieux yo taye. Kou yo antre dans les affaires politiques, yo perdu intégrité yo perdu honnêteté yo kanpe a bay même mensonge, même à tout l'autre. Yo t'ap rele kont moun k'ap bay mensonge, yo t'ap rele kont moun ki t'ap volé, yo t'ap rele kont moun ki t'ap tué, eh bien, yo men yo vinn pran pouvoir, yo pran nan même engrenage là. Yo tombe a fè crime. Et yo regrette yo parce que yo te qu'on a brûlé contre moun qui te qu'on a fait crime. Autant non bagay autant non forme de repentance. Yo regrette yo parce que yo te qu'on a brûlé et contre moun qui a fait crime, contre moun qui a fait mauvais bagay. Frères et sœurs, chers amis, et bagay yo grave.
Et c'est ça, dans nos versets 7 là. Ouh, frère, c'est ça, beaucoup lire verset 7 là. Verset 7 là, met ton mauvais goût dans la bouche. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Vous entendez ça, dit là, frères et sœurs. Ça, vous avez aimé pour malheureux, pour toujours dans la misère. Pour se dans la poussière, pour la vivre. Pour le bagon côté, pour le demeurer. Pour vous violer le droit malheureux. Ou pas, ou c'est malheureux, ou pas rien, ou pas rien, non. Mais ça pile dans le texte. Papa, même avec petit lit, il a fait immoralité avec même femme. Nan. Le père et le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon nom. Nous comprenons comment son bagage abominable pourtant de yon femme là, papa la donne, petit garçon la donne. Et s'il vous plaît, yon entendez yon. Ils sont pillés, ils ont gazé. Mais frère, c'est une chose extrêmement abominable. Nous ne pouvons pas voir ça qui est passé dans le livre Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, côté que la parole de Dieu a montré, Paul a montré que tu es un petit garçon comme ça, qu'elle prend madame, papa, qui décision l'éternel te prend contre lui. Judas te prend, tu as violé une madame, Jacob. Et c'est les Jacob a baillé bénédiction, l'éternel voyait Jacob pour baillé bénédiction. C'est malédiction qui tombe sous Judas. Gede bagay l'or fait li. C'est malédiction, oui. Frères et sœurs, l'Éternel dit c'est à cause à ça, yo profané noni, papa ensemble à petit garçon ni dans même femme. Yo entend yo. Ça on tipiay, y a dégagé, y a gaspillé le tipiay là. Ma papa t'avèl nan matin nan aswè piti t'avèl. Frères et sœurs, ça c'est des bagailles horribles, des bagailles senti du, bagailles sales qui a passé. Et l'Éternel dit il pas qu'à prendre des graines j'ai gardé ça. Et pas parce que pas mais l'Éternel dit, l'Éternel dit verset 7 là dit il viole le droit des malheureux. C'est dans même verset 7 là nous il a frères et sœurs. Il a gardé pour les misérables, pauvres là, qui tombent dans la poussière, pour mourir dans la poussière. Frères et sœurs, nous arrivons dans un moment pour nous finir. C'est 41, 20, 74, 33, 36, 76, 58, 73. Que l'Éternel ouvre le jour, permette de comprendre que dans la voie, l'homme a marché, le monde a marché, nous n'avons pas le droit de marcher là-dedans.